Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs, hommes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu, femmes de Dieu. Soyez bénis, c'est votre humble serviteur, le docteur Joseph Chicha Wandindawak. Soyez bénis. Ce soir, nous allons partager un enseignement pour la gloire de Dieu que nous allons partager. C'est un enseignement qui est vraiment merveilleux, qui a trait à la délivrance, à la restauration de la vie. Donc, avant toute chose, je vais prier parce que nous devons recommander ces instants entre les mains de mon patron, mon Dieu et mon Créateur. Tendre Père, le Dieu de mon salut, merci mon papa, merci mon Dieu pour m'avoir encore permis ce soir de venir au-devant de toi pour parler à ton peuple. Je me soumets à ton autorité, à ta parole. Sois le maître de toutes choses, Seigneur. Prends contrôle de mon esprit, mon corps et mon âme. Je vais t'appartenir et me soumettre à toi. Toi, le parfum du commencement, le victorieux ancien, celui qui a la demeure dans le dernier nuet, ton nom s'appelle, lève-toi. Lève-toi ce soir pour parler à ton peuple. Lève-toi ce soir, tu connais les attentes et les besoins. Lève-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Saint-Esprit, mon ami, mon associé, je me soumets à toi. Toi, mon guide principal, toi, mon coach, mon professeur, brille ma langue ce soir et inonde-moi de ton huile fraîche. Je veux que je diminue. Toi, tu crois ce que tu parles à travers ma bouche. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je reste à toi, libère ton atmosphère, change l'atmosphère de ce lieu pour que ce soir, ce soit toi qui te glorifie en parlant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors, avant toute chose, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Avant de vous donner le thème, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'intitule le thème de ce message. C'est comment sortir des blocages internes et externes. Donc, il y a les blocages internes et les blocages externes. Le thème principal, c'est comment sortir des blocages internes et externes. Mais aujourd'hui, nous allons parler des blocages, comme je l'ai dit, internes. Mais le blocage, c'est quoi? Le blocage, c'est comme nous avons dit, c'est lorsque ta vie est bloquée. Rien ne marche, tout est bloqué dans tous les domaines de ta vie. Tu vois que les choses sont bloquées, rien ne progresse. Tu fais des efforts, mais il n'y a rien qui progresse. Tu as fait des études, Tu ne peux pas progresser au niveau du travail, de tout ce que tu entreprends. Dans les affaires, ça ne marche pas. Dans le ministère, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Alors, quand il y a blocage, rien ne marche. C'est-à-dire, derrière tous ces blocages, il y a un esprit satanique. C'est le diable qui est derrière tous ces blocages qui bloquent la vie des enfants, de Dieu, de toute personne, pour qu'ils ne progressent pas. Alors, mais ce soir, nous allons parler. Parce que nous parlons de comment sortir des blocages internes et externes. Lorsque nous disons interne, ça dit intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le premier. Nous allons parler du blocage interne. Alléluia. Le blocage interne ou intérieur, le blocage interne, c'est quoi? Le blocage interne, ce sont des combats, ce sont des liens interne, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire qui vient de la famille. Ce sont des combats, ce sont des sorcelleries, des envoûtements qui viennent de la famille, qui viennent de ta propre maison, qui viennent de la famille de ton père, la famille de ton père, de ta mère.
C'est-à-dire que c'est le combat intérieur qui vient de la famille par le lien du sang et par le lien de quoi? De du sang que nous appelons famille biologique. Mais il y a aussi ta propre maison qui est aussi quoi? Famille par alliance. Alléluia. Donc, parce qu'il y a aussi des familles par alliance. Je vais expliquer tout ça. Ça dit, lorsqu'on dit que le combat intérieur, c'est le combat qui vient de ta propre maison d'abord. Si tu es marié, tu as ta femme, tu as tes enfants, c'est-à-dire que ça peut venir de tes enfants, ta femme, toi-même. C'est pourquoi j'ai dit, il y a aussi ce que nous appelons famille par alliance. Lorsque tu épouses une femme, toi et la femme, vous devenez une seule personne. Donc, c'est-à-dire, même si ta femme n'a pas les liens du sang, mais parce que vous vous êtes marié, donc ça devient un lien par alliance. Donc, ta propre maison, c'est-à-dire tes enfants, ta femme, ton mari, ça c'est ce que nous appelons combat intérieur. Combat intérieur, c'est quoi? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, grand-mère, grand-père, oncle, tante, tous ceux qui font partie de la famille biologique, là où il y a les liens du sang. C'est ça ce que nous appelons le combat intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça dit, ça vient dans la famille. Le combat, les liens, les envoûtements, la sorcellerie qui vient de ta propre famille. Ce n'est pas des voisins, ce n'est pas des amis, mais de ta propre famille, par le lien du sang et par le lien par alliance. Alléluia. Donc voilà, il faut comprendre. Parce que lorsque le combat qui vient de votre famille, ça vient par le lien du sang. Tout le monde a sa famille. Nous avons le même ADN, nous avons le même sang avec nos pères, nos grands-pères, côté paternel, maternel, il y a le sang. Donc on ne peut pas nier ça, on ne peut pas renier ça. On vient de quelque part, on est d'une famille, on a un père, on a un grand-père, arrière-grand-père, on a des enfants, on a des frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, côté paternel, maternel. Tout cela veut dire interne ou intérieur. Alléluia. Donc le combat intérieur, c'est ce qui vient, c'est-à-dire la sorcellerie. Les envoûtements, l'occultisme, ça peut être les membres de la famille qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la sorcellerie, ils sont là que pour envoûter, bloquer la vie des autres, qui sont dans la société, dans l'occultisme, tout ça, ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire de la famille. Alléluia. Alors, comment nous avons dit, comment sortir lorsque vous vous retrouvez dans le blocage ou dans le combat, dans le lien de famille, comment sortir? La première des choses que je vous dis, les combats internes sont difficiles à sortir. Pourquoi? Parce que c'est par le lien du sang. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est dans le sang. Lorsque le monde des ténèbres, lorsque même si ton père, même si ta mère, membre de la famille, il rentre dans le sang, dans les archives de sang là, il regarde, même si tu pries, même si tu es bishop, même si tu es apôtre, même si tu es docteur des nations, tu es prophète des nations, tu prophétises, tu vois même les fourmis noires dans un trou noir. Mais quand dans la famille, on regarde dans le sang, on te voit. Alléluia. On te voit. Tu ne peux pas te cacher parce que c'est le lien de quoi? De sang, on te voit. Mais te voir n'est pas t'avoir. On peut te voir, tu es dans la lignée, dans le sang. Mais on ne peut pas t'avoir quand tu as donné ta vie au Seigneur parce que spirituellement, tu es une autre personne. Mais quand ils entrent dans leur monde, ils regardent dans le sang, ils te voient que tu es là parce que ton sang ressemble au sang de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, de ta tante. Alors les combats là sont difficiles parce qu'ils peuvent t'envoûter facilement. Ils ont raison de le faire parce qu'ils sont, ils disent, il est de mes liens du sang. C'est de ma famille. Il va dire, c'est ma famille, c'est mon frère. Donc voilà ce que nous appelons le blocage ou le combat interne. La raison de ce combat, c'est quoi? C'est détruire ta vie sur le plan social, de bloquer ta vie sur le plan matériel, bloquer ta vie sur le plan ministériel, bloquer ta vie sur le plan sentimental, bloquer ta vie sur le plan de business, bloquer ta vie sur le plan financier, bloquer ta vie dans tous les domaines professionnels,
tout dans tous les domaines, mariage, tout ça, ils bloquent, ils peuvent bloquer ton mariage. Ça ne marche pas. Il y a les gens qui sont stériles, qui sont célibats parce qu'on a bloqué leur mariage. D'autres sont stériles, ne peuvent pas avoir des enfants parce qu'il y a des combats internes comme ça qu'on a bloqué tout. Lorsqu'on bloque tout dans ta vie, c'est pour te faire souffrir. Alléluia. Voilà le but de la sorcellerie, le but des blocages internes, le but des envoûtements. Il t'envoûte, il bloque ta vie, il bloque tes finances. Tu peux faire des efforts, tu peux être intelligent, tu peux finir des études, tu peux venir en Europe croyant que tu vas réussir, mais tout est bloqué parce que derrière là, il y a la sorcellerie de ta famille qui te combat et qui bloque ta vie. Alléluia. Alors maintenant, nous avons dit comment sortir. Être envoûté, être bloqué, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que comment s'en sortir? Parce qu'on ne va pas demeurer éternellement dans le blocage. Non, on doit sortir parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi. Il a versé son sang, il est mort pour toi, il est resté pour toi, il est allé à la croix. La Bible dit il est venu pour détruire les œuvres sataniques. Jésus est capable de détruire. Il a vaincu le diable il y a de cela 2000 ans. Ce qui veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Même s'il y a des blocages, il y a toujours moyen de s'en sortir par le nom de Jésus. Maintenant, comment s'en sortir? Ce n'est pas on se réveille le matin, on dit, au nom de Jésus, je sors. Non. Donc, il y a des secrets prophétiques que je vais vous donner et quelques personnages qui sont dans ces situations de blocage interne dans la parole de Dieu, mais qui, par après, en sortit parce qu'ils ont pratiqué les secrets prophétiques pour sortir de quoi? Des blocages internes. Alléluia. Alors, le premier secret. Comment sortir du blocage interne? Premier secret, c'est-à-dire sortir spirituellement de ta maison et de la famille, de ta famille si tu veux bien. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc tu dois d'abord, premier secret pour sortir des blocages intérieurs, premièrement, premier secret c'est quoi? Sortir spirituellement de ta maison et de ta famille. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays. Ici, pourquoi nous parlons de sortir spirituellement? Ce n'est pas sortir physiquement. Physiquement, tu vas rester toujours l'enfant de quelqu'un. Tu vas rester toujours le frère de quelqu'un. Tu vas rester toujours la sœur de quelqu'un ou le cousin de quelqu'un physiquement. Par le sang, vous êtes la famille. Mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire que spirituellement, tu sors de ta maison, tu sors de ta famille. Tu fais partir de la famille et de la maison physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas dans le même esprit que eux. Alléluia. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, des familles peut-être qui ont l'héritage satanique, diabolique, tout le monde fait le fétiche. Tu vois quelqu'un dans la famille, il sort, il donne sa vie au Seigneur, il accepte le Seigneur Jésus comme le Seigneur Sauveur. Il reste toujours membre de la famille, mais sur le plan spirituel, ils n'ont pas le même esprit. C'est-à-dire que les autres ont l'esprit satanique, lui il a l'esprit de Dieu. Donc, sortir spirituellement, c'est sortir de leur héritage diabolique, c'est sortir de leurs coutumes, leurs traditions, leurs rituels qu'il faut. Toi, tu ne dois pas être là-dedans. Tu dois sortir spirituellement, mais physiquement, tu restes membre de la famille et tu restes aussi l'enfant ou les parents ou le mari de la maison. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, parce que dans le spirituel, dans le sang, il n'y a aucun problème. Mais dans le spirituel, si dans ta famille, ils ont l'héritage démoniaque, l'héritage satanique, tout ce qu'ils ont là, le pouvoir quelconque satanique, ils ont fait les alliances avec Satan, avec le diable, avec le monde des ténèbres. Là, ce n'est pas le sang. Là, ça devient le spirituel.
Donc, dans le sang, tu restes leur frère, tu restes leur enfant, mais si le plan spirituel, tu n'es pas dans leurs alliances sataniques, diaboliques, toi, tu sors de là, mais tout en restant membre de leur famille ou l'enfant de la maison. Ils peuvent te voir, ils peuvent te voir, mais ne peuvent pas t'avoir. Parce que s'ils veulent t'attaquer, ils ne t'attaquent pas dans le sang, mais ils t'attaquent par le spirituel. Ils se transforment en démons pour venir t'attaquer, et quand il vient, il ne te voit pas, toi tu es invisible parce que ton esprit est protégé par qui? Par le Seigneur et couvert par le Saint-Esprit. Donc tu dois sortir d'abord, tu ne peux pas sortir des blocages internes si tu ne sais pas sortir spirituellement de ta maison et quoi? Et de ta famille. Alléluia. Je vous donne le premier personnage, c'est Abraham lui-même. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre que nous venons de lire, 12, 1 à 5, nous n'allons pas lire. La Bible dit, l'Éternel pour bénir, pour restaurer la vie d'Abraham, il lui a demandé de faire quoi? De sortir de la maison de son père, de sortir de sa patrie, de sortir de la famille. Donc, pour que la bénédiction, la restauration d'Abraham devienne possible, il fallait d'abord sortir. Il a dit, va-t'en. Là, c'était physiquement, il s'est déplacé. Mais aujourd'hui, notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Quand on te dit de sortir, ce n'est pas sortir physiquement. Ce n'est pas abandonner ta famille, abandonner tes enfants, le refuser, dire que vous êtes diaboliques. Non, tu restes avec eux, mais sur le plan spirituel, tu sors. Tu n'es pas dans le même lien spirituel avec eux. Toi, tu es un autre esprit et un autre esprit. Abraham est sorti de sa famille, de la maison de son père, de sa patrie. Et là, Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je te protégerai, quiconque te maudira, je le maudirai, quiconque te bénira, je le bénirai, tu seras une source de bénédiction. Toutes ces bénédictions-là pouvaient s'accomplir à une seule condition, que Abraham fait quoi? Sort de sa famille, sort de la maison de son père, sort de sa patrie. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti spirituellement de ta famille, de ta maison, mon frère, tu ne peux pas sortir de blocage interne. Parce qu'ils vont tout le temps contrôler ton esprit. Vous savez, la famille, il y a des chefs de famille qui sont dans le monde de la sorcellerie. Ils contrôlent les esprits de tout le monde. Quand tu sors spirituellement, c'est-à-dire que dans le sang, ils peuvent te voir, mais spirituellement, ils peut pas te voir parce que ton esprit n'est pas dans leur marmite, ton esprit n'est pas dans leur calebasse, c'est-à-dire ton esprit est sorti de leur calebasse, il te regarde dans le sein, il te voit, mais dans le calebasse, dans la casserole, tu n'es plus là. Alléluia. Abraham est sorti avant d'être béni. Tu veux être béni, être restauré, que les choses soient restaurées, tu dois premièrement faire quoi? Sortir spirituellement de quoi? De ta maison et de ta famille. Quelqu'un peut me dire amen. C'est pourquoi, quand nous disons le combat de la famille, nous avons un verset qui va appuyer, on va écrire, Jérémie chapitre 12, verset 6. La Bible dit ceci, Jérémie chapitre 12, verset 6. Il dit, car tes frères eux-mêmes et les gens de la maison de ton père te trahissent, crient derrière toi en pleine voix contre toi. Mais quand ils te voient, là, ils te donnent des paroles amicales. Alléluia. Jérémie 12, verset 6 nous dit, ce sont tes frères à toi et les gens de la maison de ton père qui te trahissent. Te trahissent, c'est quoi? Ils peuvent te combattre, ils peuvent bloquer ta vie, ils peuvent tout faire. Mais il crie, quand tu n'es pas là, il crie, il te maudit, parle. Mais quand il te voit, il faut semblant de te parler avec des paroles amicales. Ne les crois pas. Alléluia. Ne le crois pas. Ça veut dire, le combat interne existe par nos frères, par nos pères, les gens de la maison de nos pères et nos familles. Ça existe, frère. Alléluia. Jérémie chapitre 12, verset 6. Alléluia. Alors, ça c'est le premier secret pour sortir des blocages internes. Je vous donne le deuxième secret pour sortir. Deuxième secret, c'est s'attacher à ton
néglige. Voilà. Parce que tu ne peux pas sortir de blocage interne d'abord si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Et si tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois voir ton église. L'église, c'est l'endroit où tu écoutes la parole. Tu as un pasteur qui te suit, qui est ton père spirituel. Tu as une église où tu partages la communion fraternelle. Tu as une église qui est l'assemblée, si je parle église assemblée, où tu partages ta communion fraternelle, où tu écoutes la parole, où tu donnes ton offrande, où tu es en relation avec le Seigneur, tu écoutes la parole, tu grandis, tu apprends à prier, et c'est dans cette église que nous parlons de l'église. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir ton église. Donc, parmi les secrets, deuxième secret, tu dois, j'ai dit quoi, s'attacher à son église. Ici, je parle de l'église locale. Alléluia. Je donne un exemple biblique parce que nous sommes édifiés sur les enseignements et le fondement des enseignements des prophètes et des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous prenons la personne de Anne. 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 11. Nous n'allons pas lire vite l'histoire, elle est longue. La Bible dit que cette femme avait aussi le blocage ou le combat interne. Le combat interne de Anne venait de la maison, de sa maison. C'est-à-dire, pas de sa famille, mais de sa maison. Anne était mariée. Il avait son mari, et le mari avait une deuxième femme, elle avait sa rivale. Ce qui veut dire, elle et sa rivale habitaient ensemble avec leur mari. C'est pourquoi au départ, j'ai dit qu'il y a aussi ce que nous appelons famille par alliance. Donc, la rivale de Anne, elle est mariée à qui? À son mari. Les deux femmes ont un mari, c'est-à-dire ils sont ensemble, une famille par alliance. Donc, ils vivent tous dans la maison de qui? Même si c'est une maison ou deux maisons, mais tous appartiennent à qui? À l'homme qui est leur mari. Donc, c'est la rivale. Le combat de Anne venait de sa rivale. Ça ne vient pas de la famille, mais ça vient de la maison, de sa maison. Parce que dans la maison, il y a qui? Il y a tes enfants, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a ta rivale, pour ceux qui sont polygames. Donc, il y a tous ceux qui habitent là, qui ont une alliance d'une manière ou d'une autre, fait partir de ta maison. C'est ça aussi ce que nous appelons le combat interne. Donc, Anne était combattue par sa rivale. Elle se moquait d'elle. Elle faisait tout. Maintenant, Anne, pour sortir de ce blocage interne, elle s'est décidée. Elle a dit, je vais aller rester au temple. Je vais implorer mon Dieu jusqu'à ce qu'il exauce ma prière pour me faire sortir du blocage interne. Donc, Anne est allée au temple. Le temple, c'est l'église. Elle est allée. Elle a dit, je resterai au temple jusqu'à ce que l'Éternel exaucera ma prière et répondra pour me donner un fils. Alléluia. On ne peut pas sortir du blocage interne en restant dans son canapé, en restant dans la maison, en disant, je prie à la maison. Non, va s'attacher où? À ton église. Et dans cette église, où on dit dans ton église, il y a un pasteur. Quand Anne est allée au temple, il n'y avait pas que Anne. Il y avait le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, c'est l'image du pasteur qui est le conducteur de l'église. Donc, dans l'église, tu n'es pas seul quand tu vas aller. Tu trouveras qu'il y a un pasteur, un conducteur. Anne est allée, il a trouvé qu'il y avait le sacrificateur Élie qui était dans le temple. Alléluia. Tu ne peux pas sortir si tu ne sais pas t'attacher à quoi? À ton église. À ton église, il y a des frères et sœurs qui peuvent te soutenir dans la prière. Il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des serviteurs de Dieu. Quand tu viens au temple, ils sont là pour t'aider dans ta situation afin de sortir de quoi? De blocage interne. Anne est allé. Il a même fait un vœu. Comment Anne a su qu'on peut faire un vœu à Dieu? Parce qu'elle a appris ça dans la parole de Dieu. Et pour apprendre, il faut aller quoi? Il faut aller à l'église. La Bible dit, comment entendrez-vous la parole s'il n'y a pas de prédicateur? Comment il y aura de prédicateurs s'ils ne sont pas
envoyé. C'est là qu'il est écrit qu'il est beau le pied qui annonce l'évangile. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. La parole, tu dois l'écouter ou dans ton église, où tu es fidèle, tu es assis, tu as des serviteurs de Dieu qui te conduisent, qui sont des conseillers spirituels, qui doivent t'aider dans ton problème pour sortir. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu as besoin de ton pasteur. Tu as besoin de serviteurs. Tu as besoin de frères et sœurs qui doivent t'accompagner pour faire quoi? Sortir du blocage interne. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, Matthieu 20, 18 à 19, ça sera écrit. La Bible dit, là où il y a deux ou trois réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Or, Anne au temple n'était pas seul. Il était avec les sacrificateurs. Ça fait combien de personnes? Deux personnes. Et le verset nous dit, là où il y a deux, comme ils étaient déjà, je prends le moins, ils étaient déjà deux, ce qui veut dire que Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Donc, là où il y a deux ou trois réunis, je suis au milieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu as besoin de soutien, des autres serviteurs, des autres frères et sœurs, de ton pasteur qui est ton père spirituel, pour sortir de quoi? Du blocage interne. Alléluia. Deuxième verset pour appuyer, les deux seront écrits. Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées. Nos assemblées sont nos églises. Tu ne peux pas être chrétien sans église. Non, non, ça n'existe pas ça. Qui est ton père spirituel? Ah, mon père est en Afrique. Toi, tu es ici. Comment ton père est en Afrique? Tu dois avoir une église où tu as le frère et la sœur, où tu partages la communion fraternelle. Et en cas de problème comme cela, on va te soutenir pour sortir du blocage interne. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu a exaucé. Il a donné Samuel. Il lui a fait un vœu que je te donnerai cet enfant. Si tu me le donnes, je le consacre. Et comme pendant ce temps-là, en Israël, il y avait la crise des prophètes, Dieu, à ce temps-là, a vraiment, c'est-à-dire la proposition, le vœu, a rencontré le besoin de Dieu, et puis Dieu lui a donné un fils Samuel, et vous voyez qu'il a pris Samuel, il l'a consacré comme prophète. Dieu avait besoin de prophètes en Israël, Anne avait besoin d'un fils. Donc voilà, Dieu te donne un fils, tu me le donnes aussi. Alléluia. Dieu nous demande que ce qu'il nous donne. Voilà pourquoi il faut aller à l'église. Ça, tu peux apprendre que quand tu vas t'asseoir à l'église. Aujourd'hui, les gens sont orgueilleux. Ils ne veulent pas s'asseoir. Ils ne veulent pas être enseignés. Tout le monde veut être guide. Tout le monde veut être leadership. Donc, vraiment, je ne comprends pas. C'est un esprit de rébellion et d'égarement. Alors, si tu ne sais pas t'attacher à ton église, tu ne sortiras pas du blocage interne. Anne a eu un enfant, Samuel. L'histoire de blocage était terminée au nom de Jésus. Alléluia. Je vous donne le troisième secret pour sortir du blocage interne. Troisième secret, c'est s'attacher au Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois avoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que pour sortir dans ce combat-là, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. La parole ne fonctionne pas seule. La parole fonctionne ensemble. La Bible dit, dans le livre de Genèse plutôt, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait du tohu-bohu. L'Esprit de Dieu mouvait. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait pas la parole, l'Esprit mouvait. Et la Bible dit, et l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit doit marcher avec la parole. Donc, tu ne peux pas dire, je connais la parole, sans pour autant avoir l'onction, le Saint-Esprit, être baptisé par le Saint-Esprit, être rempli par le Saint-Esprit. Non, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à la parole. Quand la parole est proclamée, le Saint-Esprit agit. Comme l'Esprit mouvait, la parole est venue, et puis le Saint-Esprit a agi. Alléluia. Donc, il faut s'attacher au Saint-Esprit.
Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prenons encore l'exemple de Anne, toujours Anne. Toujours dans le livre de 1 Samuel, ici nous sommes dans le livre de 1 Samuel 12 à 14. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 14. Nous n'allons pas lire. Alors la Bible dit, lorsqu'Anne est arrivée au temple, elle a commencé à prier. Elle est d'abord attachée au temple. Elle dormait là-bas. Maintenant, elle a commencé à prier. Quand elle priait, finalement, la Bible dit, les paroles ne sortaient même pas. Lorsque le sacrificateur Élie, il sort pour regarder, il voit Anne, il voyait la bouche de qui? De Anne, comme si quelqu'un qui était ivre. Alors, voilà que le sacrificateur dit, mais madame, nous sommes encore, c'est pendant la journée, ce n'est pas le temps, il faut s'enivrer. Donc, même le sacrificateur croyait qu'Anne était ivre, mais Anne n'était pas ivre du vin, mais il était rempli du Saint-Esprit. Donc, ça, c'était le Saint-Esprit, lorsque ça l'a rempli, il a manqué même les mots pour parler. Il était rempli du Saint-Esprit, mais le sacrificateur, il a confondu en disant, tu es ivre. Non, il n'était pas ivre de l'alcool, mais il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens une autre personne. Ta manière de prier change, ta manière d'agir. Les gens ne te comprendront pas, parce que le Saint-Esprit va bouleverser ta manière de prier, va bouleverser ta manière de faire. C'est pourquoi même le sacrificateur était confus. Il dit, tu es ivre. En réalité, elle n'était pas ivre, mais elle était remplie du Saint-Esprit, remplie de l'onction du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu pries et tu as le Saint-Esprit, tu vas arriver à une dimension où ce n'est plus toi. Tu ne te sens plus. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, qui commence à agir. Même quand nous prêchons, la Bible nous dit quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Tu ne peux pas parler différemment des autres si tu n'as pas l'assistance du Saint-Esprit. C'est notre ami le Saint-Esprit. C'est notre guide. C'est notre coach. C'est notre professeur. Il nous oriente, il nous guide. C'est lui qui met des paroles dans nos bouches. C'est lui. Oh là 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 là, cher Saint-Esprit, je t'aime. Tu dois collaborer si tu veux sortir. Tu t'attaches, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Il est notre ami. Il est notre guide principal. Il est celui qui nous éclaire. Il est celui qui nous parle. Il doit diriger les choses. Il doit diriger nos prières. Il doit orienter. Il doit nous donner des révélations. Parce que le Saint-Esprit, il connaît ce qui est profond et caché. Donc, tu ne peux pas sortir du blocage interne si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. Si tu ne cherches pas, tu ne t'attaches pas au Saint-Esprit et tu es rempli du Saint-Esprit, comme Anne était remplie du Saint-Esprit, et jusqu'à ce que le sacrificateur l'a considéré comme une femme qui était ivre dans le temple. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Je vais donner un verset biblique que nous allons lire. Je le lis brièvement, mais le nom, on va écrire. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. En bref, qu'est-ce que le verset dit? Il dit pour vous, vous n'avez pas à craindre, car l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Alléluia. L'onction, c'est quoi? L'onction vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne. L'onction, c'est la puissance qu'il nous donne. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour faire des choses. La capacité surnaturelle de faire le miracle. La capacité surnaturelle de faire les choses mieux, différemment d'un homme, d'une personne normale, naturelle. Donc, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour nous permettre de faire des choses que nous ne pouvons pas faire en tant qu'homme ou femme naturelle. Alléluia. Donc, il dit, l'onction que vous avez reçue
vous enseignera toutes choses. Vous enseignera comment prier. Vous enseignera comment marcher. Vous enseignera comment demander à Dieu. Vous enseignera comment chasser les démons. Vous enseignera comment sortir des blocages internes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux sortir, frère. Tu ne peux pas sortir des blocages internes sans l'assistance, sans l'accompagnement, sans l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Comment, qui va t'enseigner toutes choses? Comment il va t'enseigner comment t'en sortir? Il n'y a que lui. L'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Alléluia. Donc, tu ne peux pas sortir du blocage interne si tu n'es pas attaché au Saint-Esprit. Deuxième verset que je vais appuyer, Éphésiens, on va écrire, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ici, c'est comme le sacrificateur qui a dit à Anne, tu es ivre, mais écoute ce que le verset dit. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, frère. Tu sais, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils disent, ah, je veux boire, quand je veux me saouler, et puis je veux oublier le problème. Frère, tu ne vas pas oublier, parce que tu vas t'enivrer. Mais après maintenant, après quelques heures, quand tu vas te rétablir, tu deviens normal, le problème va revenir dans la tête. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il va faire quoi? Il va t'orienter, il va t'enseigner, il va te montrer ce que tu dois faire pour sortir des blocages et des problèmes. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez rempli du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas sortir des blocages internes si tu ne t'es pas attaché à qui? Au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Alors, je donne quatrième. Je crois que c'est quatrième secret. Pour sortir des blocages internes. Quatrième secret. Avoir la connaissance de la parole. La Bible dit, nous prenons toujours Anne. Aujourd'hui, Anne est à l'honneur. Anne, chapitre 1. Oh là là, excusez-moi. Anne, 1 Samuel, chapitre 1, 6. Nous n'allons pas lire. La Bible dit, Anne, lorsqu'il était avec sa rivale qui la combattait, elle la critiquait, l'insultait, disait tout ce qu'il pouvait dire. La Bible dit, Anne ne répondait pas. Pourquoi Anne ne répondait pas à sa rivale? Parce que Anne avait la connaissance de la parole qui nous dit, pardonne tes ennemis, pardonne ceux qui te font du mal. Il connaissait ça. Il a dit, au lieu de répondre à cette femme, elle me combat, je n'ai pas besoin de répondre, mais moi je retourne mon regard vers l'Éternel. C'est pourquoi elle a tourné son regard vers Dieu, elle a dit, je vais aller au temple. Pourquoi? Parce qu'elle avait la connaissance de la parole. Tu ne peux pas sortir de blocage interne si tu n'as pas la connaissance de la parole. Comment tu sauras que ça c'est un esprit mauvais? Comment tu sauras qu'il m'attaque? Comment tu vas détecter? C'est au travers la parole de Dieu que tu vas comprendre, tu vas connaître. Parce que la parole nous éclaire pour comprendre les choses. Alléluia. C'est par la parole. Quand tu as la connaissance de la parole, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu sais comment pardonner, comment marcher avec le Seigneur, comment passer à côté de tes ennemis, comment sortir du blocage. Parce que Anne avait un blocage, un combat interne de sa rivale. Ce n'est pas en répondant à sa rivale qu'elle allait sortir. Elle a compris que non, il faut que j'applique maintenant la parole. La parole me dit, il faut pardonner. Je pardonne cette femme. Moi, je tourne mon regard vers l'Éternel des armées. Il va défendre ma cause. Quand on connaît la parole, on est équilibré. Quand on connaît la parole, non. Quand on connaît la parole, lorsque le diable, le tentateur, est allé, Jésus était en prière pendant 40 jours et 40 nuits. Alors la Bible dit, le diable qui est venu en forme du serpent, il est allé tenter Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il a utilisé quoi le diable? La parole. Et Jésus lui a répondu par que la parole, il dit, il est écrit. Papa, quand tu connais la parole, tu deviens plus fort que tes ennemis, parce que tu peux le vaincre que par la parole. La parole, c'est l'épée qui peut couper la tête de tes ennemis. Il a répondu, le diable, il est écrit.
Deuxième fois, il a le diable a utilisé à la fin de compte, le diable s'est retiré. Parce que Jésus l'a ramené dans la parole. Jésus est la parole. Il a la connaissance de la parole. Lui-même est la parole. Alors que le diable qui n'est pas la parole, il vient le tenter par la parole. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas sortir de blocage parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Des fois, ils chassent les démons sans pour autant comprendre quels sont les versets qui sont liés à leur prière. Ils ne savent pas. La prière seule ne suffit pas. Il faut la connaissance de la parole. Or, même la prière, c'est tu dois connaître la parole. Donc, Anne, pour sortir, quatrième secret, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un verset que nous allons écrire. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité c'est quoi? C'est la parole. La vérité c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus nous dit, je suis le chemin, la vie est quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été créées par elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Verset 12 à 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. 13, 14 dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Donc la parole c'est Jésus. Jésus est la vérité. Maintenant, Jean combien? 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous connaîtrez Jésus. Vous connaîtrez la parole. Et la parole vous rendra libre. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance de la parole, comment la parole va te rendre libre? Libre des envoûtements, libre des combats internes, libre des combats de la sorcellerie. C'est la parole qui peut nous rendre libre. Alléluia. Donc, tu ne veux pas sortir du blocage, des combats internes, des liens internes de ta famille, si tu n'as pas la connaissance de la parole. Alléluia. Je prends un deuxième verset pour appuyer. 2 Timothée chapitre 1, 14. La Bible dit, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le bon dépôt, c'est quoi? C'est le dépôt de la parole. La quantité, la connaissance que tu as de la parole, garde. Garde le bon dépôt. Là, c'est comme Paul qui dit à Timothée, garde le bon dépôt, tout ce que je t'ai enseigné, ce que tu as appris de moi, la garde. Parce que dans le temps difficile, ça va te sauver. C'est la parole qui est en toi qui te fera sortir des blocages internes et d'où te combats les liens démoniaques. Donc, tu ne peux pas sortir du combat interne, de la famille, de la sorcellerie, de la famille, tout ainsi de suite, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je donne le cinquième secret. C'est un bon enseignement ce soir. Comment sortir des blocages internes, de la sorcellerie de ta famille, sorcellerie de ton père, de ta mère, tes cousins, tes cousines, tout ça, comment sortir? Cinquième secret. Avoir la conviction de sortir. Alléluia. Tu sais que tu peux prier, mais au fond de toi, tu n'as pas la conviction de sortir. Tu ne crois même pas. Combien de personnes font les prières de combat spirituel? Elles-mêmes ne croient pas. Elles-mêmes ne croient pas. Je vous ai donné l'autre fois un témoignage, c'était en Afrique. Il y avait une équipe d'intercession en Afrique. Ils étaient en train de prier. Faire le combat spirituel, chasser les démons, les envoûtements qui combattaient l'église, l'assemblée de, je ne cite pas le pays. Alors il y avait l'évangéliste, le conducteur, les diagonistes et tout le monde. En train de prier, chasser, ligoter.
un certain moment, ils ont commencé à chasser Satan. Ils ont vu un homme habillé en noir, donc couvert tout en noir. On le voyait tout noir, sombre. Il entre et dit, c'est moi Satan, pourquoi vous me chassez? Alors, ils étaient en train de combattre, chasser Satan. Alors, Satan se présente devant eux dans l'équipe d'intercession. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? L'évangéliste, il a sauté le mur, il était de l'autre côté. Maman Diagonèse monte le mur, tout le monde a escaladé le mur, tout le monde a pris fuite. Il y avait un intercesseur autre qui ne pouvait pas fuir. Le frère était paralytique, il était sur sa chaise roulante. Il est resté face à face. Face à face, le diable était devant, il dit, c'est moi Satan. Alors il a commencé à pleurer, oh tonton Satan, pardon. Il a commencé à appeler Satan tonton. Parce que on n'a pas la conviction, on ne croit pas dans ce qu'on fait. Donc vous priez pour chasser des démons maintenant, Satan il dit, je suis là. Tout le monde a pris fuite, alors Satan reste avec le frère qui était paralytique sur la chaise roulante. Alors il a commencé à supplier Satan. Oh tonton Satan, s'il te plaît, ce n'est pas moi, c'est notre chef d'intercession. C'est l'évangéliste qui m'a dit qu'on te chasse. Mais non, mais toi aussi tu l'avais chassé. Satan dit, dis-moi pourquoi vous me chassez. Le frère a commencé à trembler. À la fin, en réalité, ce n'était pas Satan. C'était un homme qui s'est déguisé comme ça, leur voisin. Il a dit, je voulais tester pour voir si vraiment vous avez la conviction, vous avez la foi dans vos prières. C'est comme ça que je me suis déguisé de venir un peu vers vous. Mais tous, vous avez pris fuite. Et puis, vous avez pris fuite. Et puis, toi, frère, depuis quand moi, Satan devient tonton. Tu m'appelles tonton Satan, tu me supplies. C'est que vous n'êtes pas convaincu. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui prient, qui chassent les démons, qui prient pour les problèmes, mais même ne sont pas convaincus. Ils n'ont pas la conviction. Ils n'ont pas la foi. Ils ne croient même pas. Voilà, l'équipe d'intercession a fui devant les faux satans qui s'étaient présentés. Donc, cinquième secret pour sortir de blocage interne, il faut faire quoi? Avoir la conviction de quoi? De sortir. Avoir la conviction, ça veut dire, tu as envie, tu veux sortir. Même si tu vois que c'est difficile, mais dans ton esprit, dans ton cœur, tu dis, mon problème à moi, c'est de sortir des combats internes. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, avec des blocages. Si je suis dans la stérilité, moi, je dois sortir de cela pour que je devienne fécond. Avoir la conviction. Nous prenons toujours Anne. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, 6 à 12. La Bible dit ceci. Anne, qui était dans le blocage interne, a eu la conviction, après que sa rivale l'a tourmentée, critiquée, dénigrée, humiliée, s'est moquée d'elle, Anne a pris la décision dans son cœur. Elle a eu la conviction que si je vais au temple aller implorer l'Éternel des armées, il me donnera un fils. C'est la conviction qui était en elle qui l'a poussé à aller au temple. Si tu n'as pas la conviction, tu ne peux pas faire même un pas. Tu peux faire semblant, mais tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu as des doutes en toi. Parce que tu ne crois pas. Tu es incrédule. Tu ne crois même pas, tu n'as pas la foi. Donc c'est la conviction. La conviction, c'est comme l'envie, la volonté, la détermination de sortir de cela. Alléluia. Pour sortir du combat, mais de quoi? Du combat et le blocage interne, il faut avoir quoi? La conviction. C'est comme ça qu'Anne avait la conviction. Elle est allée au temple. Elle s'est dit, si je pars au temple, je demande l'Éternel, l'Éternel va faire voir mes dons. C'est comme ça qu'elle s'est déplacée. Elle est allée au temple. Elle est restée attachée au temple. Et comme elle avait la conviction, elle a fait mes vœux à Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Tu ne peux pas sortir du blocage interne si tu n'as pas la conviction de sortir. Je donne un deuxième exemple biblique. C'est la femme de perte de sang. La Bible dit, cette femme a souffert pendant 12 ans avec le perte de sang. Vous connaissez, pour les femmes, c'était une situation insupportable. Elle ne pouvait pas préparer pour son mari, elle ne pouvait pas vivre avec les gens, selon les traditions de ce temps-là, parce qu'une femme comme ça était considérée comme une femme impure. Elle était mise en quarantaine, comme nous sommes aujourd'hui avec la période de coronavirus, mais son état-là, c'était plus que coronavirus, parce que le sang coulait tout le temps. Alors, cette femme,
a eu la conviction de la guérison. Elle a dit non, j'en ai marre. 12 ans de souffrance. Donc, elle a dit dans son cœur, si moi je veux, mon problème à moi, c'est s'approcher de Jésus. Toucher seulement sa robe. Si je touche sa robe, je suis convaincu que je serai guéri. Parce que l'onction même dans la robe de Jésus guérit le malade. Alléluia. Je n'ai pas seulement besoin qu'il me parle, mais j'ai besoin que je touche. La conviction, c'est quoi? Même lorsqu'un pasteur prêche, un homme de Dieu prêche, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils sont dans la salle, dans la foule, mais ils ne sont pas délivrés ni guéris. Parce qu'ils n'ont pas la conviction. Ils sont là comme des spectateurs, en train de regarder les autres, au lieu d'être prêts pour recevoir. Avoir la conviction, c'est être prêt pour recevoir. Avoir la conviction, c'est être déterminé. Tu te dis, je ne sors pas tel que je suis venu. D'ici, je ne sortirai pas. Cette année ne finira pas que ma situation n'est pas changée. La conviction de la femme, elle a dit, si je touche, or, il y avait des obstacles. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Il y avait la foule, il y avait les apôtres autour de lui. Et puis, on connaissait bien dans la ville qu'elle était une femme impure. Elle-même, elle était consciente qu'elle était impure. Mais comme elle avait la conviction, elle a fait quoi? Elle a surmonté tous ces obstacles. Elle dit, je m'en fous d'être impure, je m'en fous de la foule. Elle a faufilé sous les jambes des apôtres, elle a touché, et quand elle a touché, Jésus dit, qui m'a touché? Or qu'elle avait touché que la robe. L'onction, frère, un homme, ouais, il a l'onction dans ses souliers, frère. Ça c'est la nourriture solide. Les enfants ne peuvent pas comprendre. Un homme moins a l'onction dans les sueurs de son front. Un homme moins. Donc ça dit tout ce qui est en lui là, il a l'onction. Il a touché la robe. Jésus dit qui m'a touché. Or il a touché la robe. Ça c'est. Il faut entrer dans la dimension là pour comprendre des choses. Alors il dit femme, ta foi t'a guéri. Instantanément, la femme était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait la conviction de faire quoi? D'être guérie. Tu ne peux pas sortir du blocage interne si toi-même, au fond de toi, tu n'as pas la conviction de sortir. Ce n'est pas une histoire qu'on doit te forcer. Il faut que tu sois convaincu. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il trouvait, il disait, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il regardait la foi. La foi, c'est la conviction. Il regarde et dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Regarde, Dieu regarde à la conviction afin pour sortir. Alléluia. Alors, je vais appuyer ça avec la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir posséder les anciens rendus. Donc, tu ne peux pas... La foi, c'est une ferme assurance. C'est une conviction intérieure. Donc, des choses qu'on espère. Ça dit, tu espères quoi? J'espère la guérison. J'espère sortir de quoi? Des combats internes. Mais tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est la conviction. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la conviction, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi Hébreux 11, 1, Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit... La foi vient. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tout ce qui s'approche, tu t'approches pour être guéri, il faut que tu aies la foi. Il faut que tout ce qui s'approche croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur veut dire quoi? Distributeur. Distributeur de guérison. Distributeur de miracles. Distributeur d'élévation, de grandeur et de délivrance. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas sortir du blocage interne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Wow. Alors, je vais vous donner, nous étions au quantième, cinquième. Je vais vous donner maintenant le sixième secret pour sortir du blocage interne. Sixième secret, c'est garder la prophétie. Alléluia. Garder la prophétie. Quand nous parlons de garder la prophétie, nous parlons de la parole prophétique. Nous parlons des songes, nous parlons des paroles de connaissance, nous parlons des visions. Tout ça, ça doit partir de la prophétie. Ça veut dire quoi? Toute personne
Donc, qu'il y a le combat interne, d'une manière ou d'une autre. Il a toujours entendu une prophétie. Directement ou indirectement. Ça veut dire quoi? Soit par un pasteur qui prêche, par la parole c'est la prophétie par excellence. Et là, la personne a entendu qu'il y a ce qu'on appelle le combat interne, le combat de la foi. Tu as déjà entendu. Tu as déjà vu soit un songe qui te montre que tu es combattu. Tu vois dans les songes. Parfois, les membres de ta famille qui sont tentés de te ligoter, tu y as vu. Tu as déjà une prophétie, quelqu'un te dit, je vois beaucoup de combats dans ta famille. Tu as déjà entendu. Tu as déjà lu la parole qui montre ici qu'Anne était aussi bloquée par sa famille. Tu as déjà lu. C'est-à-dire, ce que je dis, garder le prophétique. C'est-à-dire que dans ta vie telle que tu marches là, il y a toujours une parole prophétique, une révélation, un songe, une vision, une parole de connaissance que tu as déjà entendu, qui t'a parlé de ton combat spirituel. Et comment s'en sortir? Comment on peut sortir des combats spirituels? Tu as déjà des combats internes. Tu as déjà entendu cela. C'est pourquoi il faut garder ce que Dieu nous dit là. Donc, ça, le combat ne peut pas venir chez toi comme ça, sans même ni vision. Ni... Non, tu as déjà vu. Tel que tu es là, tu vois les sons tout le temps. Toi, tu es en Europe. Tu te vois dans la maison de ton père, au pays, au village. Mais tu veux qu'on te dise encore quoi? C'est le combat interne. Toi, tu es en Europe. Tu te vois que tu es marié en Afrique, au village. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui t'a montré. Mais tu dis, ah non, ce n'est pas rien. Dieu t'a déjà montré ce que tu es. Garde cela. Tu ne peux pas sortir si tu ne gardes pas. C'est ça ce qui veut dire. Quand tu vas commencer à faire tes combats, tu vas toujours de tes souvenirs de ce que Dieu t'avait déjà dit, soit au travers la parole, soit au travers la prophétie, soit par un songe, soit par une vision. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà. Donc tu ne diras pas que tu n'as jamais rien vu. Tu as toujours vu quelque chose. Mais c'est toi qui as toujours négligé. Ce n'est pas normal que tu es en Europe et puis tu te vois en Afrique. Ce n'est pas normal que tu te vois, tu prépares dans la maison d'un mari en Afrique. Mais non, c'est-à-dire ton esprit est emprisonné en Afrique. Tu es esclave là-bas. Tu es en Europe, tu te vois en Afrique, dans la maison de ton père. C'est-à-dire, dans la maison de ton père, ton esprit est lié. Tu es ici, tu te vois, tu es en train de faire des travaux durs, des champs, au village de ton père. C'est-à-dire, c'est là où ça se trouve, ton esprit. C'est pourquoi les premiers secrets, nous avons dit, si tu sors spirituellement, on ne peut pas t'avoir. Alléluia. Beaucoup de personnes sont physiquement ici, mais leurs esprits sont contrôlés dans le monde des ténèbres. Alléluia. Dans la famille, chez la tante, l'oncle, oncle, quelconque, quiconque. D'autres sont les maris dénus de leur tante. D'autres les maris dénus de leur maman. D'autres les femmes dénus de leur papa. D'autres les femmes de leur oncle. Ce n'est pas normal. Donc toutes ces choses que tu as vues là, c'est un avertissement de Dieu. C'est une révélation. Dieu te dit, voilà, il y a un combat. Alors tu ne peux pas sortir. Si tu ne gardes pas les paroles prophétiques que Dieu t'a déjà données d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre un personnage biblique. Alléluia. La Bible nous sommes édifiés sur les enseignements de qui? Des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Alors je prends un personnage de la Bible. Ici, je prends Joseph. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, 5 à 7. La Bible dit, Joseph avait reçu les songes. Alléluia. Il a eu les songes quand il était encore jeune. Il a vu une germe qui était levée et les autres autour de lui qui se sont inclinés. Il a vu pour la deuxième fois le soleil et les étoiles. Et les étoiles se prosternaient devant qui? Devant le soleil. Ça veut dire, Dieu lui avait déjà défini son futur. Alléluia. Il avait dit montrer son élévation. Il avait déjà montré que sa famille et tout le monde vont se prosterner quand il sera élevé. Alléluia. Donc, c'est la parole du départ qui définit ton futur. Donc, Joseph a gardé. Mais Joseph ne savait pas
qu'il y aura des combats. Joseph ne savait pas qu'il sera vendu parce qu'il avait les combats internes, le blocage interne. Joseph avait le blocage interne parce que ce sont ses frères qui l'ont vendu, le propre frère de sa maison, le frère de son père qui l'ont vendu. Il avait le combat interne, mais au départ, il avait déjà reçu une prophétie, une parole prophétique, une révélation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ainsi que, lorsque Joseph était vendu, il a gardé toujours le songe. Même si je suis vendu, mais je sais que Dieu m'avait dit que mes frères qui me vendent aujourd'hui, un jour, ils viendront faire quoi? Se prosterner devant moi. Ce qui veut dire, même si je suis vendu, je ne veux pas mourir. Parce que la promesse, la prophétie, la parole prophétique doit s'accomplir. Alléluia. Donc il marchait, il gardait. Il était vendu. Il arrive chez le Potiphar. La femme l'a tenté. Mais il a regardé la prophétie, dit non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Dans les combats internes, il faut apprendre à garder ce que Dieu t'avait dit au départ. Et Joseph, alléluia. La Bible dit, Joseph, il était vendu, revendu, mais Joseph est sorti des blocages internes. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu, il a gardé, c'est quoi? La parole prophétique. Parce qu'il a gardé la prophétie, il a maintenu la parole qu'il a déjà entendue. Dans ta vie telle que tu es là, tu as déjà entendu des paroles. Alors dans les difficultés, dans le temps difficile, garde ces paroles, rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit au travers de la parole des songes, ainsi de suite, et tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas sortir de blocage interne si tu ne sais pas garder la prophétie ou la parole prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, il avait gardé cela, où il avait vu son père, ses frères se prosterner devant lui. C'est pourquoi nous allons appuyer ça par le verset qui nous parle dans le livre de Habacuc. Habacuc chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Écris cette prophétie. Grave-la sur la table de ton cœur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir et s'accomplira certainement. Garde la prophétie, garde la parole de connaissance, garde la parole qu'on t'a prêchée, garde les songes. Tout ce que tu as vu là, ça doit t'aider, ça va s'accomplir. Toi, dans le combat là interne, tu vois ce que Dieu t'a dit, tu vois les promesses de Dieu, ce que le Seigneur t'avait déjà parlé. Cela montre que avec ton élévation et tes bénédictions, il faut savoir qu'il y aura toujours des combats. Il n'y a pas d'élévation sans quoi? De gloire sans épine. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, quand tu as les promesses de Dieu, sache-le, pour ta bénédiction, il y aura des combats. Et parmi ces combats, il y a ce que nous appelons les combats ou les blocages internes. Lorsque les frères de Joseph les vendaient, c'était une manière de l'empêcher de ne pas devenir premier ministre. C'est ça le blocage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh. Alors, maintenant, je vous donne septième secret. Je crois que c'est septième. Oui. Alléluia. Waouh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment sortir des blocages internes et externes? Mais aujourd'hui, nous parlons des blocages, comment sortir des blocages internes. Nous sommes maintenant au septième secret. Septième secret, être conduit par la parole. Si tu veux sortir des blocages internes, il faut se laisser conduire par la parole. Alléluia. Toi, tu ne peux pas conduire la parole. Tu ne peux pas commander la parole, mais c'est la parole qui doit te commander, la parole qui doit te conduire. Toi, tu dois suivre les mouvements de la parole. Yes. Alléluia. Quand la parole dit, toi, tu mets en pratique ce que la parole a dit.
Aujourd'hui, les chrétiens prient, mais ne mettent pas la parole en pratique. Ils ne se laissent pas conduire par la parole. Ce sont eux qui sont en train de conduire la parole. C'est comme on force à Dieu de faire les choses, même si cela, Dieu ne veut pas le faire. On le force. Dieu, tu dois faire. Dieu, tu dois me faire. Non, laisse-toi conduire par quoi? Par la parole. Alléluia. Tu ne peux pas sortir si tu ne sais pas te laisser conduire. Or, la parole, nous avons dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit conduire ta vie. Je vais prendre un exemple biblique. Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2, 2 à 4. Nous n'allons pas lire. Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël de quoi? De l'esclavagisme de l'Égypte. Il avait aussi les combats internes. Ces hommes-là, ce sont des personnages de la Bible que Dieu a utilisés, mais ils avaient les combats. Ne crois pas que tu es le seul à avoir des combats internes. Non! Il y a déjà, nous sommes dans la Bible, Joseph avait des combats internes, Anne des combats internes. Ici maintenant c'est Moïse. Mais tu vas me dire, mais comment Moïse avait les combats internes? Moïse avait les combats internes, le blocage interne. C'est sa propre mère qui a pris Moïse, qui lui a mis où? Dans un panier. C'est la propre mère de Moïse qui est allée déposer son bébé sur quoi? Sur l'eau, sur le Nil, sur les eaux. Les eaux coulaient. Il est allé mettre son fils sur une rivière. Dis-moi, quelle est cette maman qui parle d'abandonner son fils sur une mer, une rivière? Oh, la rivière, l'eau coule. En coulant, d'ailleurs, dans l'eau, il y a le crocodile. Dans l'eau, il y a des hippopotames. Dans l'eau, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent manger le corps de ces bébés. Il a mis le bébé sur les eaux. Maintenant, le bébé était en train de quoi? Le bébé Moïse dans le panier, suivait les mouvements de quoi? De l'eau. Alléluia. C'est sa propre mère. C'est pourquoi quand on te dit que le combat interne, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être ton enfant, ça peut être ton grand-père. Ici, c'était la propre mère, mère biologique de Moïse. Il prend son fils, il le met dans le panier, il le dépose sur les eaux. Et elle le regarde, il voit comment le panier de son fils est en train de quoi? De descendre par le mouvement de l'eau. Elle ne pouvait pas encore récupérer son bébé. Donc, en un mot, quand la maman a déposé, ce n'était pas pour faire du bien. Parce que l'enfant, on pouvait être mangé par le crocodile. L'enfant pouvait mourir. Donc, le combat interne de Moïse, c'était par sa propre mère. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsqu'on a déposé Moïse sur les eaux, aïe, ça j'aime. Parce que Moïse voulait bien sortir. Il voulait bien sortir de blocage interne. Moïse s'est laissé conduire par les eaux. Waouh! Il s'est laissé conduire par les eaux. Or, l'eau, c'est la parole. C'est pourquoi nous avons dit, tu ne peux pas sortir si tu ne te laisses pas conduire par la parole. Moïse pleurait, mais assis sur les eaux. Moïse, il pleure, mais assis. Moïse n'a pas quitté les eaux. Moïse pleurait, mais il s'est laissé conduire par l'eau. Waouh! Tu ne peux pas sortir. Ça dit, tu dois te laisser conduire par la parole. Laisse-toi commander par la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Je mets la parole en pratique. Là où il dit abandonne, tu abandonnes. Là où il dit pardonner, tu pardonnes. Là où il dit vis la sanctification, tu vis la sanctification. Là où il te dit marche dans la crainte de Dieu, tu mets en pratique. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas être conduits par la parole, n'aiment pas être commandés par la parole. Ils veulent eux-mêmes commander la parole. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent que l'eau puisse les suivre comme eux qui doivent continuer. Tu ne peux pas conduire l'eau, frère. C'est l'eau qui doit te conduire. Moïse pleurait, mais il était assis sur l'eau. L'eau le conduisait. L'eau le conduisait jusqu'à ce qu'elle est tombée dans les mains de la fille, de Pharaon. Et Moïse est sorti des blocages internes parce qu'il s'est laissé conduire par l'eau. Waouh! Aussi longtemps que tu te laisseras conduire par la parole, tu sortiras. Tu ne peux pas sortir des blocages internes sans pour autant te laisser conduire par la parole de Dieu. Alléluia. Waouh. Septième, c'est ce que nous avons dit. Être conduit par la parole. Et nous avons donné l'exemple de Moïse qui avait le blocage. Il s'est laissé conduire par les eaux. Et à la fin, il n'est pas mort sur les eaux.
quelqu'un l'a récupéré. Alléluia. Si la fille de Pharaon pouvait récupérer Moïse, à combien plus forte raison, ici nous avons le Seigneur, il ne peut pas te récupérer, même si tu es rejeté, même si tu es abandonné, même si tu es bloqué par ta famille, ton père et ta mère. Je suis venu te dire, il y a plus que la fille de Pharaon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te faire sortir de là et puis sortir des blocages intérieurs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc laisse-toi, il faut suivre seulement les mouvements de l'eau. Suis seulement le mouvement de la parole. Quand l'eau t'amène à gauche, va à gauche et tu sortiras de toutes ces choses sans aucun problème. Alléluia. Waouh. Alors, voilà. Alors, je vais vous donner un verset qui doit appuyer cela. Nous sommes dans le livre de Psaume. Hein? Nous sommes dans le livre de Psaume 119, verset 105. La parole nous dit ceci. La parole est une lampe sous mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe sous mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Nous avons dit que ici, Psaume dit, la parole c'est une c'est une lampe. La lampe est là pour éclairer. Pour éclairer les sentiers, c'est-à-dire pour conduire les pas du juste. Tu ne peux pas être conduit s'il n'y a pas la lumière. Oh, la lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la parole. Nous avons dit au commencement, la Bible dit, était la parole était la lumière du monde. Donc la parole, c'est la lumière. C'est la lumière qui doit te conduire. Alors ici, Psaume dit, la parole est une lampe. Donc sous mes pieds. Et puis, une lumière sur mon sentier. Pour que j'avance, pour que je sois conduit, j'ai besoin de la lumière qui est la parole. Voilà pourquoi Moïse s'était laissé conduire par l'eau qui est la parole, qui est la lumière, pour l'amener dans le main de qui? Dans le bras de la fille de Pharaon, afin d'être sauvé. Alléluia. Donc, voilà, ça c'est le verset que nous allons appuyer. Et je peux aussi donner l'exemple des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils étaient conduits pendant la nuit par la colonne de feu et pendant les jours par la colonne de qui? De nuée. Chaque fois que la colonne s'arrêtait, tous aussi campaient, s'arrêtaient. Donc quand la colonne s'élève, avance et ils avancent. C'est-à-dire qu'ils étaient conduits par la colonne du feu et la colonne de quoi? Du feu et de nuée. Cela représente la personne de qui? De la parole, de la personne de Jésus qui les conduisait. Chaque fois que la parole s'arrêtait, chaque fois que la colonne s'arrêtait, ils s'arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils suivaient les mouvements des colonnes. La colonne du feu et la colonne de quoi? De nuée. Quand ça va à gauche, ils allaient à gauche. Quand ça s'arrête, même si ça doit faire 6 mois, ils restent là parce que leur conducteur, c'était la colonne du feu et la colonne de quoi? De nuée. Donc, tu dois te laisser conduire par la parole, suivre les mouvements de la parole si tu veux sortir des blocages internes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne le dernier secret, le 8e. Si vous êtes d'accord avec moi, dis-moi amen. Je vous donne le dernier secret. C'est vraiment formidable ce message. Comment sortir des blocages internes et externes? Mais là, nous disons comment sortir des blocages internes. Les combats de ta famille, la sorcellerie de ta famille, les envoûtements et les blocages. Alors, 8e et le dernier secret. C'est, si tu veux sortir, non, le 8e, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas sortir des blocages internes sans la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit te délivrer. Mais si tu n'as pas la crainte de lui, si tu ne le crains pas, tu mènes ta vie comme tu veux, tu marches dans le péché comme tu veux, tu n'as pas la crainte, comment tu vas sortir? Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc, le 8e secret, c'est la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu t'amènera à faire quoi? À sortir du blocage interne de ta famille. Alléluia. Je prends encore l'exemple de Joseph. Nous avons dit que Joseph avait, nous sommes dans le livre de Genèse 39, 10 à 13. Nous avons dit que Joseph avait le blocage interne parce qu'il était vendu par ses propres frères. Alors la Bible dit, Joseph
quand il a été vendu, il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est un homme riche. Il l'a engagé comme travailleur dans sa maison. Il était payé. Tout ce qui touchait était béni. Donc, quelque part, c'est comme Joseph se disait, n'est-ce pas que c'est la promesse ou le songe qui s'accomplit? Maintenant, la femme de Potiphar, la femme de son patron, qui est sa patronne, se lève un bon matin, il demande au garçon, Joseph, il dit, je vais coucher avec toi. Coucher veut dire, je vais commettre le péché d'adultère avec toi. Alléluia. Mettez-vous à la place de Joseph. Joseph ne comprenait rien. La femme de mon patron qui m'aime. Mais Dieu m'avait dit ça, mais il ne m'avait pas dit ça. Directement, il se souvient un peu de la parole prophétique. Il dit non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Joseph a refusé. A refusé de coucher avec la femme. Pourquoi? Parce que Joseph avait la crainte de son Dieu. Quand tu as la crainte de ton Dieu, même si personne n'est pas là, Joseph était seul dans la chambre avec la femme. Il n'y avait pas de témoins. Et il pouvait faire cela et se sortir sans aucun problème. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait des témoins. Il était face à face avec sa conscience, son esprit avec l'Éternel. Il a dit non, je crains l'Éternel. Je ne peux pas commettre le péché avec cette femme parce que si je le fais, c'est-à-dire je pêche contre mon Dieu. Comme il avait la crainte de Dieu, il a refusé de coucher. Frère, ce n'est pas que les gens te voient. Même dans le secret, même tu es seul, même tu es dans le voyage, les gens n'ont pas besoin de te surveiller, mais l'œil de l'Éternel te voit. Il est celui qui voit une fourmi noire dans un trou noir. Partout où tu te trouves, l'œil de l'Éternel te voit. Alors, il avait la crainte. Il n'y a que ceux qui ont la crainte de Dieu qui peuvent refuser de telles offres. Et là, refuser pourquoi? Parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Tu ne peux pas sortir de blocage interne si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Si tu ne sais pas respecter ton Dieu, marcher dans la crainte. Ne dis pas qu'on ne me voit pas. Ah, quand je voyage, personne ne me connaît. Même si tout le monde ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Ton Créateur te connaît. Celui qui peut te délivrer là, il te connaît. Il te voit tout ce que tu fais. Dans le noir, comme pendant la journée, comme la nuit, il voit tout. Dieu voit tout. Alléluia. Joseph, il a refusé de faire quoi? D'aller avec la femme de Potiphar parce qu'il avait la crainte. La personne qui veut sortir du blocage interne, il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit fuir le péché. Il ne doit pas voler. Nous avons des frères et sœurs. Ils prient pour sortir de combats internes. Mais au travail, ils volent. On ne me voit pas. Ils volent. Mais je vous demande, les frères et sœurs, quand vous volez au travail là, vous êtes des chrétiens. Vous êtes vraiment... Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Tu vas avec un sac, tu remplis le sac. Chaque jour, ces histoires-là, ce n'est pas pour toi. C'est du vol. Il faut appeler chaque chose par son nom. Ce que tu fais là, c'est du vol. Et puis le soir, tu commences à chasser les démons. Quels démons tu chasses? Parce que tu viens de voler, tu as ouvert des portes, les démons sont entrés. Oh, alléluia. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu partout. Partout, tu n'as pas besoin qu'il y ait un gardien, un ange à côté de toi. Mais tu dois marcher dans la crainte. Tu ne peux pas sortir si tu ne sais pas marcher dans la crainte de Dieu. C'est lui qui veut sortir du blocage interne, doit faire quoi? Doit marcher dans la crainte de l'Éternel. Je vous donne deux versets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché? Donc, fuyez l'impudicité. On va écrire ce verset au complet. C'est-à-dire que Joseph arrive dans la maison de Potiphar, il se trouve devant le péché du sexe. Il a refusé, il a fui le péché, il a fui le péché du sexe. La Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'adultère. Joseph a fui. Alléluia. Deuxième verset pour appuyer cela, Psaume chapitre 111, verset 10. Psaume chapitre 111, verset 10. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu arrives dans ta marche de chrétien, tu es dans le processus de délivrance, de sortir des blocages, et quand tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, sache que c'est le commencement de la sagesse.
C'est-à-dire tu marches avec le Seigneur. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, voilà mes frères et sœurs. Si tu veux sortir des blocages internes, il y a 8 secrets que je viens de vous donner. Et quand vous mettez cela en pratique, vous allez sortir de tous ces blocages. Parce que derrière tous ces blocages, il y a le diable, il y a les sorciers, il y a les féticheurs, il y a les envoûteurs, il y a les démons, il y a les satanistes. Mais derrière cela, quand vous marchez dans ce secret, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, il s'appelle Jésus, qui est mort à la croix. Il a vaincu le diable, il a vaincu le démon, il a vaincu la mort. C'est lui qui te donne la victoire sur tous les combats, sur le blocage interne et externe. Jésus-Christ est capable de te faire sortir. Quand tu marches dans la crainte, tu as la foi, tu pratiques tout ce qu'on vient de dire, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un petit témoignage pour clôturer. Moi qui vous parle, j'étais dans le blocage interne. Alléluia. Je connais ce que je vous dis. J'ai vécu des choses pendant des années. J'étais dans les affaires, j'étais beaucoup de choses. Mais j'avais remarqué que ça ne marchait pas comme ça pouvait marcher. Je sentais des blocages partout depuis mon enfance. Même pour les simples études, j'ai connu de sérieux problèmes. J'ai avancé et mon mari sent que des blocages. Tu entres dans le mariage, la même chose. Dans les affaires, la même chose. J'entre dans le ministère, la même chose. J'ai senti que ce n'est pas ça, ce que Dieu m'avait dit. Je me rappelais toujours des paroles, des prophéties, des songes que je voyais. J'ai dit non, ce n'est pas ça ma vie. Mais je ne pouvais pas me rendre compte que ce sont des combats internes. Je me disais ça va passer. Un jour, j'ai pris conscience. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Mes frères, comme je vous dis, j'ai pris conscience. Parce que rien ne marchait. J'ai commencé à prier. J'ai fait ma prière de jeûne, prier la retraite de 2 ans. Je ne vous demande pas de faire ça. Ce n'est pas évident. J'ai fait, ici en Europe, j'ai fait 2 ans de prière. J'ai dormi par terre sur la moquette. J'avais refusé mon lit. J'ai dormi par terre. Mon oreiller, c'était ma Bible. J'étais en colère, j'ai dit non Seigneur, il faut que je sorte de cette situation, il faut que je sorte de ce blocage intérieur, extérieur, tout, je dois sortir. Bien aimé, ce n'était pas facile. J'ai commencé à prier, jeûner, j'ai travaillé à l'époque, j'allais au travail, mais toujours en jeûne. J'étais renfermé, j'ai jeûné, je dormais par terre, je mangeais un petit peu rien que le soir. Après 18 heures, je pouvais prendre du bouillon ou bien morceau de pain ou bien le fruit. J'ai marché comme ça. J'avais la colère, je me suis dit où je vis, où je meurs. Papa, si tu ne sais pas t'élever, si tu ne peux pas prendre les choses en main, tu peux passer à côté de ta vie pour rien. Alors, pendant 6 mois, je ne voyais rien. Arrivé au 8e mois, le Seigneur ouvre le ciel. Le Seigneur me montre ma vie. J'ai vu que j'étais bloqué, j'étais renfermé dans les 8 cages. Donc toute ma vie, était dans les 12 plutôt, ma vie était renfermée, je voyais des choses comme des cages. Cage, je crois que vous savez ce qu'on appelle cage. Donc dans chaque cage, il y avait quelque chose de moi qui était bloqué, renfermé. Il y en avait 12, si vous voulez dire en d'autres termes, 12 prisons ou 12 hôtels si vous voulez bien. Donc tout était bloqué. Alors, pendant ce temps-là, je vois les membres de ma famille, que je connais bien. Je ne peux pas vous citer, c'est le secret que je garde. Donc, les membres de la famille, d'une manière générale. Côté paternel, côté maternel, dans notre... Tout, le Seigneur me montre tous ces gens qui étaient en train de me combattre. J'ai dit, mais je souffre comme ça, alors que c'est ma famille, alors que c'est les gens de ma maison. Tellement que j'ai ma famille, je ne pouvais pas jamais m'imaginer que ça peut arriver quelque chose comme ça. Frère, le combat interne. Fais confiance à l'Éternel. Aux hommes, nous les aimons, mais pas leur faire confiance. Alors, mes frères, bref, c'est long, je ne peux pas vous dire tout. J'ai prié le Seigneur. J'ai commencé à prier. Alors, même pasteur, j'étais pasteur, je suis déjà pasteur. Ce n'est pas que j'étais fidèle. Pasteur, le ministère ne marche pas rien. Je ne vois pas le miracle. J'ai prié. Arrivé au 12e mois, je vois la main de l'Éternel
qui est descendu, qui a commencé à faire quoi? Renverser, à ouvrir toutes les 12 cages, libérer ma vie. C'est-à-dire, dans un cage, dans une prison, il y avait mon mariage, il y avait mes finances, il y avait mon ministère, relation avec les gens, il y avait ma santé. Tout était bloqué, frère. Il y a des gens qui ont des problèmes dans tous les domaines. Ils ne comprennent rien. Il y a d'autres personnes, on peut te bloquer une chose, mais d'autres on peut bloquer. Moi, c'est un blocage interne terrible. C'est-à-dire que je pouvais prier, on pouvait prier, et puis s'il y a une case qui s'ouvre, c'est peut-être quelque chose qui sort, mais il y a encore 11 qui est bloqué, qui était bloqué. Voilà quel degré, frère. J'ai prié, mais le Dieu de gloire a fait descendre sa main. Son ange est venu. Il a libéré. Il a ouvert tous les 12 cages. Et j'étais libre depuis ces jours-là. Je suis sorti. Comme j'avais dit à Dieu, je vais faire 2 ans. Je n'ai pas arrêté. Attention, quand tu dis à Dieu, j'ai fait 30 jours, 21 jours. Même si tu es venu avant cela, n'arrête pas. Au 12e mois, tout a été fait. Mais j'ai continué à prier, à dormir par terre, à jeûner encore une année. 2e année, Dieu a commencé à me remplir. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Dieu a commencé à reconstruire ma vie. Donc, je peux donner que l'exemple de mon ministère. J'ai vu mon ministère changer. Pendant que j'étais en prière de 12 ans, ici en Europe, tout le monde, des faux témoignages à côté, impudiques, voleurs, magiciens. Mais moi, j'étais en train de chercher la face. Je suis venu te dire, pendant que tu cherches ta délivrance, l'ennemi se levera. Il donnera des faux témoignages pour te décourager. Moi, j'étais en jeûne et prière, mais on me traitait d'un adultère, on me traitait de magicien. Mais j'étais là pour sortir. Frère, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Mais gloire à Dieu, comme j'avais la connaissance de la parole, j'étais attaché au Saint-Esprit, j'avais la conviction de sortir et je suis sorti spirituellement. Dieu m'a libéré. Alléluia. Après cela, mon ministère a changé. Dieu a ouvert des portes. Moi, je n'ai jamais invité un homme de Dieu pour m'inviter. Toutes mes invitations dans le monde entier, c'est Dieu lui-même qui va faire le programme. Il parle avec les hommes de Dieu en Afrique, aux États-Unis, Canada, partout. Et je reçois seulement le téléphone, on t'invite pour le programme. Parce que si Dieu te libère, il va s'occuper de toi. Dieu m'a rempli. J'ai commencé à vivre le miracle dans mon ministère. Il y a des choses, mais je ne vais pas vous dire, vu le temps. En bref, j'étais dans le blocage interne. Mais le Dieu de gloire m'a libéré. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. Si tu mets en pratique le oui secret, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, le fils de l'homme a paru pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie, il dit, vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout votre cœur, c'est quoi? En remplissant les 8 conditions, tu es sérieux, il dit, si de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Prochainement, on va vous parler de deuxième... comment sortir des blocages externes. Que mon Dieu vous bénisse.